Bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, nous avons une nouvelle heure dans nos captations en direct. Vous avez l'habitude de nous voir aux alentours de 9h le matin. Eh bien, aujourd'hui, c'est à l'heure du dîner, l'heure du lunch, il est midi. Je vous souhaite et nous vous souhaitons à tous un excellent appétit et nous allons passer une heure fabuleuse ensemble, énergique, et on va parler d'un sujet qui nous intéresse tous, nos finances, les finances, comment pouvoir bien gérer nos finances. Alors aujourd'hui, avec mes invités en compétences essentielles pour tout entrepreneur, la maîtrise des finances pour gérer nos entreprises. Vous vous situez où? On vous a posé la question, je vous la repose aujourd'hui. Vous, vous pensez vous situer où? Entre 1 et 10 dans votre gestion de vos finances, mais aussi dans la littératie financière. Alors, spécialement dans cette période du COVID-19, où la plupart des entrepreneurs tentent de faire pivoter leur entreprise, et pour ce faire, eh bien oui, on le sait, il faut maîtriser nos chiffres, il faut comprendre nos interactions avec les professionnels que nous recrutons pour nous aider à le faire, et surtout, avoir de bonnes relations avec nos banquiers. Il faut savoir leur parler aussi, puis il faut savoir aussi ce qui est important pour eux. Alors, permettez-moi, comme d'habitude, de vous présenter, d'accueillir Marie-Janelle. Marie-Janelle, qui est notre responsable des médias sociaux. Bonjour Marie-Janelle, elle sera, comme d'habitude, le pont entre vous et nous. N'hésitez pas à nous faire des commentaires, à nous poser des questions. On est là pour y répondre. Et même si on n'a pas le temps d'y répondre pendant la captation, on se fera un plaisir de le faire tout de suite après. Marie-Janelle, bonjour. Oui, bonjour Madame Henkel, bonjour à ceux qui nous écoutent ce matin. On a senti beaucoup d'intérêt sur les réseaux par rapport à notre captation de ce matin qui est « Connaissez-vous bien vos finances? » Par contre, la question d'entrée de jeu dont vous avez parlé qui était « À quel point maîtrisez-vous vos finances? » Il y a peu de gens qui ont osé répondre et je crois que, vous me direz ce que vous en pensez, je crois que c'est un sujet qui est encore un peu tabou de parler des finances et aussi qu'en tant qu'entrepreneur, on porte plusieurs chapeaux et souvent on a peur d'avouer qu'il y a un volet qu'on maîtrise moins. Donc, on vous invite aujourd'hui à poser vos questions pendant le direct et après, ça va nous faire plaisir de répondre avec nos invités. Merci Marie-Janelle, merci beaucoup. C'est vrai, vous avez raison, c'est un point très sensible pour les entrepreneurs parce qu'on pense ne pas avoir à ce moment-là la bonne compétence, mais ce n'est pas vrai. Je veux dire, on est des généralistes, je n'arrête pas de le dire, on n'est certainement pas CPA et on ne veut pas l'être. On a des professionnels pour ça, mais il faut être capable de s'auto-analyser et d'aller chercher les outils. Et c'est de cela qu'on va parler. Alors, j'ai le plaisir de vous présenter notre première invitée. Notre invitée du jour, c'est une entrepreneure. Elle s'appelle Bianca Van Der Mee. Elle est créatrice de Fancy Little Day, une boutique d'accessoires de fêtes écologiques et réutilisables. Bonjour Bianca, merci d'être avec nous. Bonjour Danielle, c'est un plaisir. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors, vous avez accepté notre invitation, Bianca, avec beaucoup d'ouverture, mais j'ai demandé, vous le savez, à nos auditeurs, et vous avez vu la réponse tout à l'heure de Marie-Janelle, qui n'ose pas nous dire entre 1 et 10 où est-ce qu'ils se situent dans leur connaissance, dans leur littératie financière. Eh bien, je me permets de vous poser à vous aussi la question. Vous, lorsque vous vous êtes lancé en entrepreneuriat, elle était où votre connaissance financière entre 1 et 10? Ah oui, je vais être très transparente. Danielle, c'était un petit 5. C'est déjà pas mal. Et j'avoue que j'étais surprise qu'on me propose de venir en parler avec vous parce que c'était encore quelque chose où je me disais, oh, mais c'est vraiment pas ma force. Mais justement, en discutant, on a vu qu'il y avait des choses qui m'ont beaucoup aidée à me lancer malgré ce manque de connaissances. Est-ce que ce manque de connaissances, d'après vous, vous a nuit dans votre entreprise? Est-ce que ça vous a bloqué quelquefois? Oui, tout à fait. Ça m'a mis des freins. Au début, je n'arrivais pas à me projeter vraiment plus loin, à voir plus grand.
Ça m'impressionnait parce que je ne le maîtrisais pas et donc je ne voyais pas vraiment les solutions pour développer plus que juste une micro-compagnie, une micro-entreprise. Mais qu'est-ce qui vous bloquait? Est-ce que c'est un peu ce qu'on pense, comme l'a mentionné tout à l'heure Marie-Jeanne? Est-ce que c'est une crainte personnelle? Est-ce que c'est le fait d'être jugé? Qu'est-ce qui vous a bloqué à vous en tant qu'entrepreneur de dire, je suis pas à l'aise, mais je veux pas trop en parler? En fait, ce qui m'a bloqué, c'était surtout un manque de connaissances précises, d'aller vraiment comme chercher des chiffres et de comprendre à quoi correspondaient ces chiffres, comment les utiliser. J'étais habile à travailler avec des objectifs financiers, mais ce n'était pas moi qui les fixais avant. Fait qu'en ouvrant ma compagnie, c'est moi qui prends mes décisions, puis je dois fixer des objectifs. En termes de quantité de produits, en termes de prix de vente, en termes d'objectifs annuels, voire sur plusieurs années. Donc, c'était quelque chose qui me faisait peur. Je le voyais un peu vraiment comme une grande montagne parce que j'avais pas les connaissances. Mais quand je connais pas quelque chose, c'est vrai que ça met un peu des freins pour me lancer dedans. Devant, et pour avoir des objectifs bien précis et de Oui. mettre la main à la pâte, c'est ça. Mais qu'est-ce que vous avez donc fait pour y remédier? Parce que je pense qu'une des raisons pour lesquelles vous êtes avec nous aujourd'hui, c'est parce que vous êtes allé chercher des outils. On sait qu'il y en a beaucoup. On sait qu'il y a énormément d'outils, d'accompagnement, nos professionnels. Mais vous avez fait quoi? Alors, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai vraiment essayé d'aller chercher des formations pour aller chercher les connaissances. Donc, j'ai intégré un programme avec l'École des entrepreneurs qui m'a L'École des permis. entrepreneurs du Québec, l'École du Exactement. Exactement. L'École des entrepreneurs du Québec qui m'a permis d'avoir vraiment une formation complète pour faire mon plan d'affaires et puis à travers comme tous les différents cours que j'ai pu avoir, on a vraiment regardé la partie du plan financier et c'est là que j'ai pu prendre connaissance et utiliser l'outil prévision qui a été vraiment très, très facile pour moi, alors que j'avais vraiment pas des connaissances poussées, justement, mais ça m'a permis d'utiliser un outil intuitif, puis ça m'a permis aussi d'être obligée d'aller creuser, puis d'aller chercher les vraies informations, de les comprendre, parce que il fallait remplir les cases. Oui, ça. J'avais pas le choix d'aller regarder un petit peu plus loin grâce à cet outil. C'est parfait. Donc, avec l'École des entrepreneurs, vous avez d'abord commencé à essayer de trouver une formation adéquate pour mieux comprendre d'abord la gestion de votre entreprise. Puis là, vous avez découvert un outil qui s'appelle Prévisio, je crois, que vous vous êtes mis à utiliser en étant accompagné, bien sûr. Et qui aujourd'hui, si j'ai cru comprendre, c'est un outil qui vous a aussi permis d'obtenir certaines choses. Donc, c'est ce qui m'a passionné dans votre témoignage quand on s'était parlé, c'est que non seulement vous avez pris confiance en vous, parce que c'est un outil qui n'est pas si compliqué à utiliser, mais il est gratuit. Et j'aime le rappeler parce que ça ne devrait pas nous empêcher d'y aller, c'est gratuit. Mais ce qui m'a aussi subjugué, c'est qu'au-delà de vous, la confiance, ça vous a permis d'obtenir certaines choses. Parlez-nous-en. Oui, en fait, ça m'a permis vraiment de prendre connaissance de toutes les possibilités pour mon entreprise. Puis j'étais à un moment charnière où je fabriquais moi-même tous les accessoires, mais je voyais que j'étais limitée, donc j'allais avoir besoin d'embaucher. Puis Prévisio, ça m'a permis de vraiment voir qu'est-ce que je pouvais avoir comme budget pour aller sous-traiter certaines affaires, pour aller embaucher des personnes qui vont pouvoir vraiment m'aider à grandir, mais j'avais besoin d'être sûre que j'allais pouvoir commencer un lien professionnel avec ces personnes en ayant les fonds, en ayant vraiment une vision de comment j'allais pouvoir développer ces partenariats-là. Puis justement, ça m'a fait prendre conscience que j'avais besoin de m'entourer plus, que j'avais besoin d'aller chercher des bourses pour financer, pour aller vraiment comme agrandir l'équipe de Pencil Little Day. Et donc, Prévisio, ça m'a permis de compléter mon plan d'affaires d'une manière vraiment professionnelle, d'avoir une présentation qui est claire, qui est structurée,
et qui est rapide. Parce que on s'entend quand on est en démarrage puis en grande expansion. Oui, mais surtout pendant la période de la COVID-19. Je veux dire, c'est encore pire en ce moment, puis savoir se présenter. Donc, vous avez eu une bourse, c'est ça? Grâce. J'attends les réponses. Bon, c'est parfait. Mais vous l'avez fait, la présentation, vous avez bien rempli. Après ça, j'avais un peu le syndrome de l'imposteur. Je pensais que je n'étais pas assez outillée pour aller présenter une demande de bourse. Je lisais les descriptions, puis je n'avais comme pas les outils pour pouvoir déposer des dossiers. Donc maintenant, je me sens plus à même d'aller déposer des dossiers de demande de bourse. Et comment aujourd'hui la COVID-19 affecte votre entreprise? Vous êtes affecté d'une manière ou d'une autre? Oui, certainement. Premièrement, même en termes personnels, c'est sûr que mon conjoint a perdu son emploi du jour au lendemain. Donc, les revenus de ma compagnie sont devenus les revenus principaux de mon ménage. Donc, je n'avais pas le choix d'y aller à 200%, puis de me relever les manches, puis de trouver des solutions. C'est pour ça que j'ai vraiment propulsé ma compagnie, puis que j'avais besoin d'outils rapidement. Pour aller de ce côté-là. Puis, il y a toujours des ajustements. C'est sûr que quand on travaille dans la création, dans la confection, on utilise des tissus, on va chercher les matières premières. Fait qu'avec la COVID-19, ça a été beaucoup d'ajustements en termes d'investissement, de coût des matières premières. Fait que beaucoup d'ajustements, justement, au niveau des chiffres aussi, qu'il a fallu faire rapidement. Mais écoutez, je vous remercie, je vous félicite. C'est vrai que ce n'est pas simple. Beaucoup de familles vivent ce que vous vivez aujourd'hui. Et je crois que c'est aussi une nouvelle façon de voir aujourd'hui les changements nécessaires pour les entrepreneurs, leurs familles directes. Et donc, on doit simplement se dire, il faut que je m'adapte, il faut que je pivote, mais il faut surtout qu'avec même des compétences limitées, j'aille chercher les bons outils, les outils qui vont me permettre d'évoluer. Vous l'avez fait. Je vous en félicite et je vous souhaite vraiment beaucoup de succès. Merci pour votre témoignage. Mesdames et messieurs, nous allons passer à notre deuxième invité, Monsieur Maxime Monmini. Monsieur Maxime Monmini, qui est conseiller formateur en croissance d'entreprise à l'École des entrepreneurs du Québec, avec qui nous allons aborder le sujet de terrain qui est comment utiliser cet outil gratuit qui s'appelle Prévisio et surtout à quoi ça sert Prévisio, qu'est-ce que ça fait? Bonjour Maxime. Bonjour à vous. Donc, mais pour bien répondre à cette question-là, je me dois de dire qu'à la base, quand on devient entrepreneur, c'est qu'on se lance dans un projet parce qu'on a une passion ou en tout cas, on voit qu'il y a un filon à exploiter. Première chose qu'on fait, c'est ça. C'est un constat qu'on se fait. On ne se lance pas en affaires parce qu'on est passionné de comptabilité ou de finance, malheureusement. Et par la suite, nous, dans notre milieu, ce qu'on a à faire avec les gens qui se démarrent en affaires, c'est de les convaincre rapidement que leur finance, c'est primordial. Que l'avenir de leur entreprise passe par là, puis au même titre que la qualité de leurs produits ou de leurs services, ils se doivent d'avoir une rigueur dans ça. Donc, en bout de ligne, c'est ça. De manière générale, les entrepreneurs maîtrisent, je dirais, partiellement, pour être poli, leurs finances, puis souvent, ils vont être capables de compenser par un travail acharné, puis aussi par beaucoup d'heures qu'ils vont mettre dans leur projet. Mais après un petit bout de temps, il y a un constat à faire qui est que le contrôle de leurs finances, finalement, c'est essentiel à tout. Pour avoir un succès. Vous avez entendu tout à l'heure le témoignage de Bianca. Elle se situait, elle disait, dans ses connaissances, à sa littératie, pardon, financière, aux alentours de 5. Oui. Est-ce que c'est ce que vous constatez sur le terrain? Est-ce que ça va mieux? Est-ce qu'on a une différence depuis quelques années ou en ce moment? Bien, je vous dirais qu'en ce moment, le 5 est la moyenne pas mal de beaucoup d'entrepreneurs. Malheureusement, parce qu'en même temps, sans blâmer quelqu'un ou un système, mais les connaissances financières de base sont pas nécessairement là, un sujet qui est abordé beaucoup au niveau scolaire. Donc, on a aussi beaucoup d'entrepreneurs qui l'ont pas eu. Si ça n'a pas été tes parents ou ton entourage qui t'a éduqué dans cet univers qui est la finance, on part souvent avec une prise. Mais n'empêche qu'on voit des fois des gens aussi là, qui ont de très grandes compétences. Puis il y a des gens aussi qui ont un certain talent inné
pour les chiffres. C'est vraiment impressionnant. Mais pourquoi c'est si important d'être en maîtrise de ces chiffres-là, Monsieur Momini? Je me dis, est-ce qu'on a besoin d'être vraiment au courant de ces chiffres-là? Est-ce que ça joue un rôle, même quand c'est une petite entreprise? Parce qu'on sait qu'on s'adresse beaucoup plus aujourd'hui à des petites et moyennes entreprises. Les grandes entreprises, ben, elles ont tous les outils nécessaires, puis souvent des CFO, des personnes en charge de cela. Mais le degré, je veux dire, de connaissance est quand même différent. Est-ce que c'est vital? Est-ce que, puis vous m'amenez quelque part, vous avez parlé tout à l'heure d'éducation. Oui. L'éducation en littératie financière devrait, vous l'avez dit, puis on n'arrête pas d'en parler, devrait retourner sur le banc des écoles aussi, mais ne serait-ce que sur le plan personnel, vous ne pensez pas? Bien, absolument, absolument. Puis tantôt, ce que vous me parliez, là, si c'était important, la finance, c'est difficile de savoir si on est bon, si on n'est pas capable de se mesurer. C'est impossible de savoir si on a atteint nos objectifs, si à la base, on n'est pas capable de comprendre ce qui se passe. Puis pas une fois par année, quand on arrive devant le comptable et qu'on lui pose la question, ben, est-ce que je fais de l'argent cette année? C'est vraiment de savoir sur une base régulière, ben, dans mes prévisions, je suis rendu où puis comment ça fonctionne. Puis tantôt, vous parliez au niveau de la petite, de la grosse entreprise. Moi, je pense que peu importe le type d'entreprise ou même le stade, qu'on soit au niveau en démarrage, en croissance, en exportation ou autre, à toutes ces étapes-là, on se doit d'avoir vraiment un contrôle absolu de tout ça. Donc, c'est ce qui est être en affaires, puis faut être bon dans ce qu'on fait, mais il faut aussi être capable de gérer ce qu'on fait. Puis, il vient un temps aussi qu'on se rend compte que le calcul vaut le travail, puis bien sûr, je vous dirais que c'est extrêmement gratifiant donc, pour un entrepreneur. Moi, je pense que ce qui fait le plus peur, encore une fois, puis il faut en parler, c'est on a beaucoup d'outils, hein, mais des outils comme Prévisio, je ne sais pas s'il y en a beaucoup, je ne sais pas s'ils sont gratuits, mais il faut quand même le dire et le redire. Prévisio, c'est un outil qui va aider tout type d'entrepreneur ou d'entrepreneur qui a envie de mieux comprendre ou d'être, comme vous l'avez bien dit, en contrôle de ses décisions. Mais en même temps, quand c'est gratuit, que c'est facile à être utilisé, pourquoi s'en priver? Et en même temps, ben, ça tend la main aussi parce qu'on jase régulièrement avec nos banquiers, n'est-ce pas, monsieur? Mm-hmm. Oui, oui. Puis, je pense que ce lien, on n'y prête pas assez attention. Puis vous le voyez, vous aussi, en tant que formateur, vous en parlez de ce lien avec les banquiers, comment les banquiers veulent non seulement voir le document préparation d'un projet, une demande de financement, mais comment l'entrepreneur se sent. C'est aussi là-dessus qu'ils basent, non, leur décision. Bien, absolument. Puis, je vous dirais qu'en général, parler à son banquier, ce n'est pas nécessairement l'activité la plus appréciée des entrepreneurs. OK? D'emblée, on dit ça, mais pourtant, c'est des gens très gentils. Tantôt, on va voir la preuve avec Kinda. votre banquier, en bout de ligne, ça se trouve être votre partenaire d'affaires et non pas un compétiteur ou une personne qui va essayer là, de vous mettre en boîte puis dire « Ah, c'est là que… » Bon. Puis, en même temps, quand on parle avec un banquier, il faut avoir le même langage que lui pour que, mutuellement, on puisse se comprendre. Donc, un minimum de connaissances financières, je vous dirais que c'est vraiment la base. Puis en ayant cette connaissance-là, automatiquement, la relation devient beaucoup plus facile. On ne demande pas, tantôt vous le disiez, là, d'être entrepreneur ou aussi un comptable expert en fiscalité. C'est vraiment pas ça l'objectif. Mais au moins être capable de comprendre la situation, comprendre les termes, comprendre les chiffres, être capable de regarder un bilan puis un état des résultats, puis être capable d'analyser, bien, sans même connaître vraiment ce qui se passe, je peux dire que ça va bien par rapport à tel ratio ou tel ratio. Donc, pour un banquier, l'objectif ultime, c'est d'être capable de le démontrer que dans notre entreprise, il y a une certaine évolution financière que par les bilans qui vont sortir avec Prévisio, les états financiers, tous ces ratios-là. Donc, c'est comme son alphabet à lui. Puis, Prévisio, pour revenir encore à cette plateforme-là, ça donne tout de manière rapide, conviviale, puis c'est extrêmement professionnel. Je vous dirais que présenter un rapport fait dans Prévisio, la plupart du temps que j'ai fait des présentations à des gens du milieu ou des gens du milieu bancaire, ils ont tout fait wow en disant, bien, si on avait des clients qui nous apportent un document clé en main comme ça, professionnel, ça serait vraiment l'idéal. Puis, en même temps, on sauve beaucoup de temps. Puis, pour faire une demande de financement, bien, quand on a un document qui est extrêmement professionnel, bien, on se donne aussi beaucoup de chance qu'on puisse être accepté dans tout ça. Là. Fait que c'est vraiment important. Je vais vous demander peut-être d'être plus, rentrer plus dans le détail de Prévisio. C'est une plateforme. C'est une plateforme qui nous permet de faire, je crois, plus.
plusieurs choses, si Ça vous voulez. fait pratiquement tout. Je vous dirais que dans l'espace là, de quelques heures, on est capable d'entrer toutes les données de notre entreprise. Donc, ce n'est pas un fichier Excel qui fait peur, là, que des fois les gens n'aiment pas jouer avec ça. C'est extrêmement convivial. C'est très facile. On se répète, mais il faut vraiment que les gens le comprennent. On n'a pas à avoir peur de prévisions. Au contraire, c'est un bel outil pour commencer à aimer la comptabilité et qui sait développer une dépendance. Voyons voir plus tard, là. Mais Exact. ce qu'on veut savoir, puis en plus, l'outil est gratuit, on le répète encore, mais il y a aussi un chat live que si une personne entre ces données, il arrive une problématique X, Y, Z, ben on a une personne qui peut nous répondre en temps réel ou avec un petit délai pour être capable de répondre à nos questions. Je connais pas beaucoup de plateformes qui offrent tout ça gratuitement. Donc, ce que j'ai le goût de vous dire, c'est qu'il n'y a plus vraiment d'excuses à dire, ben, ma comptabilité, je la mets de côté parce que c'est difficile, c'est compliqué ou ça coûte cher. Là, on a tout sous un même toit, c'est un clé en main. C'est vraiment un clé en main et ça oblige, hein, je crois, en fin de compte, pour remplir les cases, on va le dire comme ça, Faut se on questionner. peut poser des questions. Ben, exactement. Puis, ce qui arrive, c'est qu'on voit rapidement combien ça nous prend de ventes pour être capable de se tirer un salaire ou pour être capable de payer nos frais fixes. Donc, c'est rapide. Et puis, en plus, c'est extrêmement visuel. C'est l'outil, ça fait une quinzaine d'années que je suis dans le milieu là, d'être avec des entrepreneurs, puis tout ça. Puis c'est l'outil que j'ai trouvé le plus facile, le plus rapide à comprendre la comptabilité. C'est vraiment ça qui est l'objectif. Puis en plus, à l'intérieur même de la plateforme, il y a des capsules aussi qui vont vous aider à comprendre les termes. Fait que c'est vraiment une bibliothèque en plus. C'est une bibliothèque d'informations, c'est aussi un outil simple, c'est un outil qui nous oblige à nous poser les bonnes questions, surtout, et je mets l'emphase encore sur ce qu'on vit en ce moment, donc la COVID-19, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui veulent pivoter, qui doivent pivoter, mais qui ne savent pas comment, mais qui ne Exact. savent pas si financièrement elles peuvent le faire ou pas, si elles doivent laisser aller des employés, si elles doivent recruter, si elles doivent changer même presque complètement de domaine. Et je pense qu'un outil comme ça est viable, évitable. Mais il y a aussi une autre chose qu'on ne dit pas, c'est que c'est quand même l'École des entrepreneurs du Québec qui l'a mis sur pied. Et il y a quand même aussi un accompagnement de l'École des entrepreneurs du Québec. Et ça, c'est important à le dire. Ils ne sont pas seuls, ces entrepreneurs-là. Non, ils sont pas seuls du tout. Puis on a une panoplie de formations aussi qui vont venir aussi des fois aider un peu plus au niveau de la compréhension. Donc, entrer les chiffres, c'est relativement facile. Maintenant, le rapport à la fin, ben c'est peut-être des fois plus difficile de le comprendre. Il y a une panoplie de formations, comme je vous disais, qui sont adaptées dépendamment du niveau de connaissance en littératie financière qu'on a pour vraiment bien faire comprendre. Puis il y a même du coaching qui existe à l'interne à l'école. Fait que je me répète, mais il n'y a pas d'excuse. Non, il n'y a vraiment pas d'excuse. Merci Maxime. De toute façon, vous restez avec nous. Je Oui, vous revois, absolument. on se revoit tout à l'heure. On a parlé de banquier, hein? Eh bien, on a invité une jeune dame, une banquière de la TD, qui s'appelle Kinda Grace. Kinda, qui est directrice de compte service bancaire aux petites entreprises à la banque TD, et qui va aujourd'hui essayer justement de démystifier un peu ce que le banquier souhaite, et particulièrement encore dans des temps difficiles comme maintenant, où tout le monde a eu à se repenser, n'est-ce pas, Kinda? Bonjour, merci d'être Bonjour. Merci de m'inviter. Oui, c'est sûr que c'est des temps vraiment difficiles. Puis surtout maintenant, c'est très important de comprendre en fait qu'est-ce qui se passe dans le thème avec la banque du côté financier. Donc nous, c'est sûr que qu'est-ce qu'on recherche, qu'on rencontre le client en fait, c'est vraiment de comprendre. Ça dépend. Si c'est une nouvelle entreprise, c'est important que l'entrepreneur vienne avec un plan d'affaires. Puis quand on parle de plan d'affaires, on ne parle pas nécessairement d'un plan sophistiqué de 50 à 100 pages avec plein de détails. C'est vraiment pas ça qu'on regarde. Ce qu'on regarde, c'est vraiment, on veut comprendre en fait comment l'entreprise va opérer, qu'est-ce qu'ils prévoient avoir en termes de revenus, de dépenses, puis aussi leur plan à court, moyen et long terme, puis leurs objectifs pour que vraiment on puisse être là avec eux pour pouvoir les guider à atteindre ces objectifs-là.
Donc, ça, c'est pour les nouvelles entreprises. Pour les entreprises qui sont déjà existantes, c'est important d'avoir les états financiers avec eux et de comprendre quelles ont été les opérations de la compagnie, quels ont été les défis, qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'est-ce que l'entrepreneur a fait pour, en fait, passer à travers les périodes plus difficiles, puis quels sont leurs objectifs aussi et leurs plans futurs pour qu'on puisse justement les aider et les guider. Donc, c'est très important pour l'entrepreneur d'être assez transparent avec avec les banquiers. Puis, comme Maxime a précisé, en fait, on n'est pas là pour fermer les portes, on est vraiment là pour les aider. Puis, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont peur de nous dire quand ils sont dans le trouble, mais le plus tôt qu'ils nous le disent, le plus facile que c'est pour nous de les aider puis de les sortir de là. Leur succès, c'est notre succès. Donc, c'est vraiment une relation qu'on a avec les entrepreneurs, oui, pour les aider. Mais je vais vous poser la même question que j'ai posée à Maxime tout à l'heure. Est-ce que vous considérez, Kinda, vous qui êtes plus proche des petites et peut-être moyennes entreprises, et je ne parle pas simplement de cette période-ci, mais est-ce que vous considérez aussi que la plupart des entrepreneurs que vous rencontrez sont de 1 à 10, à quel niveau généralement? Qu'est-ce que vous diriez? Oui, donc c'est sûr que c'est pas tous les entrepreneurs, c'est sûr qu'ils sont pas des experts en finance ou comptabilité et on s'attend pas qu'ils le soient non plus. Mais oui, il y a beaucoup en termes avec les termes ou des fois quand il y a certains documents qu'on cherche ou la raison pour le financement, etc. C'est sûr qu'il y a une lacune, il y a dans cette classe financière avec les entrepreneurs. Donc, vous considérez qu'ils sont peut-être mal préparés parce qu'ils comprennent peut-être moins bien les enjeux. Donc, il y a un manque au niveau de la littératie financière et je pense que c'est unanime, hein, c'est unanime autant vis-à-vis des mentors que des banquiers, que ce soit une petite ou une moyenne entreprise. Est-ce que vous le voyez plus maintenant ou est-ce que c'est pareil? Absolument. En fait, c'est intéressant. Il y avait une étude qui a été faite par la TD justement en 2016 qui parle de ça. Puis ça disait vraiment que les générations plus récentes ont cette lacune. Puis ça vient du fait que, comme Maxime avait précisé, que il n'y a pas de cours à l'école de finance ou de comptabilité. Donc, à moins qu'ils ont cette éducation de leurs parents ou des générations plus d'avant, en fait, c'est difficile pour eux d'avoir cette compréhension. Puis, c'est sûr que les chiffres, ce n'est pas pour tout le monde. Donc, nous, on le voit beaucoup. Puis, ce que moi, personnellement, j'ai vraiment remarqué, c'est beaucoup, même si c'est des petites entreprises, ils ont toujours un département de comptabilité ou de finance qui s'occupe des chiffres. Puis, on voit un énorme manque de communication entre entrepreneurs qui sont vraiment hands-on avec leurs opérations, puis qui gardent tout entre les mains de la comptabilité. Mais ça cause un gros manque de communication, puis ça impacte les décisions financières, justement. Donc, c'est le. Si vous aviez à donner des conseils à des petites entreprises ou à des moyennes entreprises qui vivent aujourd'hui encore plus que jamais des difficultés, bon ben, vous pour vous, vous avez aussi, vous êtes là parce que vous avez vu des entrepreneurs dernièrement qui sont venus vous voir, préparés avec un outil comme Prévisio que vous avez apprécié, dont vous avez décidé de témoigner justement de la différence. Et je rappelle encore une fois que c'est un outil qui est gratuit, donc pourquoi pas. Mais qu'est-ce que vous avez comme conseil, plusieurs, puis ne vous gênez pas, je veux dire, on est là pour ça. On est là parce qu'on doit démystifier des choses. Quelquefois, ce n'est même pas une question de compétence, n'est-ce pas, Kinda? C'est une question de peur. Peur de paraître pas compétent, peur de dire que ça va mal, peur d'aller voir son département puis de s'impliquer. Il y a plusieurs choses qui nous bloquent. Comment vous pouvez contribuer à ça ou quel genre de conseil vous auriez? Absolument. Ben, en fait, j'aimerais aussi rajouter que ce qu'on a remarqué, ce que moi, personnellement, j'ai remarqué dans les dernières années, c'est avec les générations plus récentes, on s'est tellement habitué à avoir accès au financement rapidement sans devoir soumettre aucun document. Donc, on a sur notre application, vous avez été pré-approuvé pour le financement, on clique sur un bouton et voilà. Puis maintenant, tout est tellement. Moi, je viens de Montréal, donc on est vraiment habitué au go, 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 tout le monde est rushé. Donc, je trouve qu'il y a beaucoup de clients qui ne prennent pas le temps de vraiment prendre une heure et rencontrer leur banquier pour vraiment comprendre qu'est-ce qui se passe, expliquer qu'est-ce qui se passe, puis écouter les conseils. C'est vraiment, ils s'attendent à avoir le financement rapidement. Puis, ce n'est pas qu'on ne veut pas. La raison pourquoi on demande des questions, on demande pour des documents, c'est pour pouvoir mieux les guider. Des fois, ce que le client
demandent n'est pas nécessairement ce qui est le mieux pour eux. Puis on est vraiment là pour leur offrir, leur montrer quels sont tous les produits qui sont disponibles à eux. Donc, nous, on est là maintenant en 2020, on est vraiment accessible, que ce soit par rencontre personnelle, par courriel, par téléphone. C'est vraiment facile de nous joindre pour poser des questions. Puis on est là pour répondre aux questions. Il ne faudrait pas se gêner. Nous, on trouve des entrepreneurs, c'est très impressionnant ce qu'ils ont fait avec leur entreprise. Comment, tu sais, comment ils avaient un rêve, puis ils l'ont complété. Puis nous, on est impressionnés par ça. Ce n'est pas leur job de comprendre les finances. Il ne faut pas se gêner à poser des questions. On est accessible. Puis un outil comme Prévision, c'est super. Je vais vous donner un exemple. En fait, souvent, j'ai des clients qui viennent nous voir pour du financement. Puis quand je leur demande, en fait, pour avoir une idée de quel genre, combien de fonds ils auront besoin, la réponse que j'ai, 99% du temps, c'est le maximum possible. Sans un outil comme Prévision, c'est facile à dire le maximum possible, mais souvent, avec Prévision, c'est facile de voir, OK, maintenant mes revenus, c'est ça. Mon but, c'est mon objectif, c'est d'avoir ça. Puis, pour avoir un financement assez réaliste qui va suffire à mes besoins, Prévision le met vraiment en papier. Moi, je suis quelqu'un de visuel, puis beaucoup des clients aussi le sont, puis Prévision est vraiment là pour ça. Donc, vous appréciez le fait que ça existe maintenant, que c'est disponible et il y a un accompagnement. Vous voyez, vous parliez tout à l'heure d'accompagner, d'être proche des entreprises et on sait qu'il va y avoir des entreprises qui vont souffrir, qui souffrent déjà. Mais il y en a d'autres aussi qui sont à la bonne place au bon moment, qui sont en train de vivre une croissance. Donc, on a les deux. Si vous deviez aujourd'hui, encore une fois, je reviens. À part le fait que vous les accompagnez, je reviens sur le fait que les gens ont encore ce stigma du banquier qui va tout de suite regarder mes chiffres et me catégoriser ou me rejeter. Est-ce que vous pourriez dire aujourd'hui qu'avec tout ce qui se passe, est-ce que la banque, les banques, les banquiers ont des nouvelles instructions vis-à-vis des petites et moyennes entreprises, des collaborations avec d'autres organismes? Comment vous fonctionnez pour venir vraiment en aide à nos entreprises, leur suggérer, comme vous venez de le faire, un outil comme Prévisio, parce que ce n'est pas tout le monde qui le sait, et c'est dommage, parce que c'est à portée de la main, mais de les guider comment? Comment vous faites aujourd'hui? Quelle est votre approche? C'est très important de s'asseoir avec le client et voir quels sont les besoins. Donc, on sait maintenant que c'est des périodes très difficiles. Puis, il y a des programmes du gouvernement qui aident beaucoup nos petites entreprises, petites et moyennes entreprises. Donc, C'est à vrai, puis part. pour vous couper, c'est vrai que c'est complexe, hein, parce que les programmes, il y en a de plus en plus, mais qui s'adressent à des. Donc, est-ce que vous, en tant que banquier, vous abordez ce sujet-là? Vous êtes capable de les conseiller là-dessus aussi? Absolument, absolument. Donc, ce qui est important, c'est quand on s'assoit avec les clients, puis on regarde où est-ce qu'ils se situent présentement avec la COVID, on regarde en fait, OK, quels sont les programmes qu'ils ont pris avantage avec avec le gouvernement. S'ils n'ont pas passé à ces étapes-là, on les aide, on les guide pour, on s'entend, c'est des bons programmes qui sont disponibles, pas d'intérêt sur certains prêts, les termes sont excellents. Donc, on les aide avec ça. Puis, après, par la suite, on regarde du côté de la banque du financement plus traditionnel, comment on peut les aider pour donner un support additionnel à ces programmes-là. D'accord. Donc, vous êtes présent, vous êtes plus présent, vous voulez qu'on vous contacte en fin de compte avant qu'il soit trop tard. Vous souhaitez aussi qu'une entreprise ou un entrepreneur, peu importe sa taille, qui a envie de se lancer en affaires, s'adresse à vous peut-être même avant de faire les premiers pas pour avoir une meilleure idée des programmes, des plans, de l'accompagnement, des outils. Parce que ce que j'entends, c'est que vous travaillez en collaboration, par exemple, avec l'École des entrepreneurs, avec des outils comme Prévisio, mais vous travaillez aussi avec d'autres organismes, j'en suis sûre. Donc, vous avez quand même une vision plus large pour aider les entreprises. Donc, ce qu'on a envie de dire aujourd'hui au niveau du banquier ou de la banquière, dans votre cas, c'est ne nous percevez plus comme il y a 20 ans ou 10 ans, on n'est plus là. On est plus en accompagnement, en conseil, avant qu'il soit trop tard ou même avant de se partir en affaires, de savoir si c'est le bon temps,
peut-être le bon produit, le bon service, c'est ça? Absolument, absolument. Puis surtout quand ça vient à commencer quelque chose de nouveau, souvent on a des clients qui viennent nous voir, puis ils sont très motivés, ils ont hâte de commencer, puis ils veulent croître rapidement et vous énormément en même temps. Donc on est là pour vraiment les guider. Puis faut pas oublier qu'on est en contact avec plusieurs entrepreneurs, donc on a une bonne idée de qu'est-ce qui se passe dans différentes industries. Donc, on est là pour aussi les guider. OK, vous êtes en telle industrie, il faudrait faire attention à X, Z facteurs. Par exemple, maintenant, avec la COVID, dans l'industrie de la restauration, c'est pas facile. Puis, dans les gyms, c'est pas facile. Mais ça devrait pas vous démotiver à ouvrir, à commencer une compagnie, mais il faut le faire de la bonne façon. Il faut comprendre quelles sont les alternatives. On voit maintenant avec les livraisons, Uber Eats, etc., il y a des restaurants qui sont plus de succès, même. C'est vraiment cas par cas, puis on est là pour les aider, puis pour les suggérer. C'est vraiment une relation qu'on a avec le client. On n'est pas juste là pour donner un prêt, donner du financement. On est là pour les aviser. Puis, on veut aussi être leur one-stop shop, où est-ce qu'ils viennent nous voir. Puis, si on voit que, OK, il y a un peu plus de troubles en termes de ben, pas financement, mais comprendre avec les chiffres, on peut les recommander à un comptable. Sinon, si on voit qu'il y a un problème plus légal, ben, on va les aviser de voir un avocat. Tu sais, il y a plusieurs branches. Oui. Vous êtes vraiment le pont maintenant. Vous êtes le conseiller pour l'entreprise, pour l'entrepreneur à tout moment de son cheminement. C'est ce que j'entends, c'est ce qu'on comprend et je pense que c'est bien parce qu'il était temps. Il était grand temps. Il était temps justement qu'on puisse s'adresser à notre banquier avec beaucoup d'ouverture. Et pas seulement du côté entreprise, aussi du côté personnel. L'entrepreneur en tant que tel, il a une vie personnelle aussi. Donc, si on voit que l'entreprise va d'une façon, mais on peut aussi les aviser avec un conseiller financier qui peut les aider pour la retraite, qui peut les aider. Donc, il y a tellement de branches, il y a tellement de spécialistes, on est là pour les aider, puis on est vraiment tout en dessous de la même. Dans le même objectif. Le même objectif, Exactement. c'est la relance de Exactement. l'économie, c'est nos entreprises, absolument. Kinda, merci beaucoup. C'était très clair et puis ça fait du bien. Et merci encore et bravo d'inciter les entreprises à aller chercher leurs outils et ne pas juste se sentir seules dans leur coin, mais de les pousser à être plus confortables dans leur littératie financière. C'est pas une tare. C'est tout à fait nécessaire. Voilà. Merci beaucoup de m'inviter. Puis j'aimerais vraiment mettre l'emphase sur, faut pas se gêner, faut poser des questions. Il n'y a pas de jugement, on voit de tout. Puis il faut vraiment être confortable avec les banquiers. On est là pour les aider. Merci. Merci beaucoup, Kinda. On va retourner donc tout de suite à Maxime. Maxime, on vient d'entendre notre entrepreneur. On a entendu aussi Kinda qui représente un peu la structure, tu sais, de la banque et le regard du banquier envers nos entreprises et les besoins de l'entreprise. Mais il y a beaucoup de gens qui posent la question en ce moment sur notre live. Comment avoir accès, puis où et quels sont les autres points qu'on doit savoir? Donc, je vous laisse nous donner l'information. Bien, moi, la première chose que je voulais dire avant de terminer, puis je trouve ça toujours important, mais ça n'a pas rapport avec votre question, mais c'est de féliciter les entrepreneurs qui ont le courage de se lancer dans quelque chose qui est aucunement assuré. Juste par la parenthèse, pour vraiment féliciter ces gens-là, c'est une belle carrière. Une fois qu'on y touche, on ne veut plus faire autre chose que ça. Je pense que vous êtes une bonne ambassadrice en ce sens. Mais au-delà de tout ça, je pense que on se répète, mais la peur des chiffres, c'est seulement ça. Une fois qu'on a enlevé cette peur-là, puis souvent, quand on a peur de quelque chose, c'est qu'on a peur des choses qu'on connaît moins ou qu'on connaît pas. C'est La vrai. solution, c'est quoi? Ben, on se forme, faut mettre un peu notre orgueil de côté, puis être capable d'aller plus loin. Puis en même temps, si on le fait pas, ben, notre banquier ou notre bancaire va se faire un plaisir de nous le rappeler. Fait que, veux, veux pas, on a passé par là, c'est un mal nécessaire. Puis en même temps, ben, avec Prévisio, c'est le meilleur outil pour être capable de s'enlever cette roche dans le soulier qu'on a, qui s'appelle la finance. C'est le meilleur outil. Puis comme tantôt je le disais là, l'objectif ultime de Prévisio, c'est de développer une passion incontrôlable de la comptabilité, ou presque. Je vous dirais que c'est rare que ça arrive là, mais quand ça arrive, on est très heureux. Puis en général, les gens qui commencent à avoir le contrôle de leurs finances, une fois que tu as le contrôle, tu ne peux plus le perdre. Et pour un banquier et pour un coach comme nous à l'École des entrepreneurs du Québec,
c'est agréable de parler avec ces gens-là parce que quand on leur parle de choses, ils les comprennent, puis ils nous voient arriver souvent avec nos questions et puis ça rend notre travail beaucoup plus agréable, beaucoup plus facile. Puis en même temps, bien, leur entreprise ne se porte que mieux. Fait que c'est ça en gros. Vous avez tellement raison parce que je vais me permettre pour une fois de parler un peu de moi personnellement puisque vous m'avez pointé. Oui. La relation que j'ai avec mon banquier, vous savez, je me rappelle quand j'ai commencé dans mon sous-sol à Repentigny avec rien. Mm-hmm. Eh bien, c'est parti de cette ouverture, de cette franchise, de cette volonté. Autant, et Dieu seul sait qu'il y a 25 ans, on n'avait pas les programmes qu'on a aujourd'hui, l'ouverture qu'on a aujourd'hui, l'accessibilité aussi qu'on a aujourd'hui. Il faut le dire, c'était oui. très différent. Et surtout une femme qui partait en affaires et une maman. Donc, je me souviens très, très bien de ce que j'ai pu comprendre et vivre. Ça a été d'abord au départ cette confiance bilatérale. Le banquier, quand il m'a vu, il a vu cette, fondamentalement cette passion en moi de « c'est ça mon métier, c'est ça que je vais faire ». Et il n'y a personne, comme vous l'avez si bien dit, qui va m'arrêter. D'accord? Donc, ça, il y avait ça. Puis ensuite, il y avait cette compréhension de « je sais où est-ce que je commence, c'est tout petit, mais voilà comment je vais arriver à faire grandir cette entreprise ». Donc, déjà là, c'est là où je parlais de confiance bilatérale. Mais tout en grandissant, je vous dirais que je suis avec la même banque depuis plus de 18 ans. Mm-hmm. Et ça ne s'est pas fait parce que c'est magnifique et magique, pas du tout. Ça s'est fait parce que oui, j'ai eu, moi, peur de regarder les chiffres. J'avais quelqu'un qui m'aidait à travailler sur mes chiffres. J'avais des contrôleurs ici pendant 14 ans. Mais j'ai dû apprendre à être en contrôle de mes chiffres, à comprendre, parce que j'avais des idées, on a des idées, les entrepreneurs, oh là là, on en a, on veut, on veut tellement de choses. Mais comment y arriver? Est-ce qu'on a les moyens de le faire? Est-ce que c'est le bon moment, par exemple, pour acheter ma bâtisse, pour la construire? Ben, c'était peut-être pas le bon moment, mais il a fallu que je comprenne mes finances, que je parle avec mon banquier, qui m'a d'ailleurs aidé à véritablement structurer cette demande-là. Je vous dirais aussi, des fois, c'est d'accepter la vie des autres. Parce que quand on est entrepreneur, souvent, on a vraiment le nez collé sur l'arbre. C'est des fois, avoir un banquier ou un coach ou une personne de confiance qui connaît un peu le milieu des affaires puis qui va nous poser des questions, des fois, qui sont... On se pose la question, mais pourquoi tu me poses ça? Mais c'est parce que je veux te ramener à la base, parce que tu es rendu trop collé sur ton projet. Puis c'est souvent ça, un des petits défauts des entrepreneurs, c'est qu'ils sont tellement passionnés, ils sont tellement sûrs de leur coup qu'ils... Des fois, ils ne se posent pas les questions de base. Mais ça, en même temps, c'est le fun parce que ça fait juste prouver qu'ils ont une passion. Puis c'est, encore une fois, extrêmement agréable de travailler avec ces gens-là. Vous savez, on apprend, on dit souvent qu'on apprend de nos erreurs. C'est tout à fait normal et ça va continuer. Mais ce que je rappelle souvent, c'est qu'on peut éviter certaines erreurs, surtout lorsqu'elles sont de façon, comme on vient de le vivre, de le voir avec Prévisio, où elles sont accessibles, je veux dire, l'information est accessible, l'outil est accessible. Pourquoi s'en aller dans une direction où on se prive de ça? On va faire d'autres erreurs, il y en aura, mais d'aller chercher la volonté de vouloir se former et s'informer. D'abord, on va gagner le respect de ceux qui travaillent avec nous, puis on gagne son propre respect à soi. Mais dites-nous comment on peut aller chercher Prévisio. Où est-ce qu'on peut le trouver puis comment on peut l'utiliser? Ben, techniquement, c'est très simple. On ne fait qu'aller sur... on tape prévisio.ca. Automatiquement, on arrive sur la plateforme. On s'y enregistre. On peut y aller de manière anonyme, si vous voulez. Ou sinon, on s'enregistre. Ça prend environ 1 minute 22 à s'enregistrer. C'est pas tellement long. Puis aussi, je vous dirais que les données qu'on entre dans ça aussi sont confidentielles. Donc, que ce soit la banque TD, que ce soit l'école, il n'y a personne qui a accès aux données qu'on rentre dans ça parce que c'est souvent des données sensibles. Oui. Puis après ça, bien, on peut commencer à entrer nos différentes données. Puis comme tantôt, je vous disais, il y a toujours une personne au bout du courriel. Et même des fois, ça peut arriver même que par téléphone, on peut être capable d'échanger avec la personne pour pouvoir l'aider ou la débloquer dans ce qu'elle comprend moins bien. Puis en même temps, on peut la diriger aussi vers des formations à l'école aussi qu'on offre qui peut des fois peut-être faire débloquer ou augmenter la compréhension de l'entrepreneur sur certaines sections du rapport final. Donc, c'est très, très facile.
Parfait. Je crois qu'il y a une question importante que Marie-Janelle aimerait partager avec vous. Oui, Marie-Janelle. Oui, la question en fait s'adresse à Kinda. C'est une question de Rosie Cindy qui demande, est-ce que nos finances personnelles peuvent empêcher d'avoir un prêt bancaire ou une bourse pour notre projet d'entreprise? Bonne question, très bonne question. Kinda? Oui, donc en fait, c'est sûr qu'on regarde la valeur nette de l'entrepreneur en tant que tel, surtout au début de la procédure. Donc, c'est sûr que oui, les états financiers de l'entreprise, c'est important, mais aussi le profil personnel, le bureau de crédit personnel et la valeur nette de la personne, de l'entrepreneur, parce que on comprend que la façon que l'entrepreneur a géré ses finances personnelles va refléter la façon qu'il va gérer ses finances du côté de l'entreprise aussi. Donc, on regarde ça, mais c'est sûr qu'on donne aussi des options, des alternatives. On regarde comment on peut, s'il y a quoi que ce soit du côté personnel, on regarde comment on peut les guider pour vraiment les aider des deux côtés. Parfait. Mais je crois que là-dessus aussi, il y a un assouplissement. Hein. Je pense qu'il y a de plus en plus une discussion sur, je crois qu'il y a eu une discussion au sujet de, mon Dieu, comment ça s'appelle? Equifax, d'essayer justement d'éviter les codes ou les codifications parce que c'est vrai qu'il y a peut-être des individus qui ont vécu quelque chose à un moment donné pour multiples raisons et qui encore aujourd'hui sont pénalisés de partir l'entreprise. Donc, je suppose que la dame en question a posé la question. C'est sûr. Donc, c'est vraiment cas par cas. Tout le monde est différent. C'est possible qu'il y ait quelque chose qui s'est passé auparavant, mais ça ne devrait pas vous arrêter à commencer une entreprise du tout. C'est vraiment, puis c'est là que c'est important de venir nous voir, puis d'être transparent avec nous et de nous dire, ça s'est passé il y a quelques années à cause de telle et telle raison. Puis, si c'est valide, c'est sûr qu'on peut faire un cas. Donc, il y a vraiment, ça ne devrait pas vous arrêter à aller de l'avant, mais il faut définitivement commencer à avoir la conversation avec votre banquier pour avoir une idée d'où est-ce que vous vous dirigez. Superbe. Merci, Kinda. Marie-Janelle, vous avez une autre question? Oui, j'ai Lynn Tessier qui demande en fait si Prévisio fonctionne aussi pour les entreprises de services ou seulement pour les entreprises de produits. Merci. Maxime? Bien, il fonctionne pour tous les services, autant produits que services à la personne. Puis il peut même avoir aussi une mixité des deux sans aucun problème. Ah! Ça, oui, ça a vraiment été pensé en fonction de tout ça. Donc, on peut avoir enfin, je dirais, les deux divisions, une division produit, Exactement, une division exactement. service, et de les mixer. Oh, Exactement. intéressant. Ouais, ça, c'est un bon point. Bonne question, très bonne question. Justement, ça, c'est des choses qu'on doit savoir. Est-ce que le fait de rentrer sur prévisio.ca, est-ce qu'on le voit, ça? Est-ce que le fait d'entrer les informations, de remplir les cases, ça va nous guider quant à savoir si on peut utiliser pour les deux. Des fois, on a même trois différentes entités qui ne sont pas des entreprises séparées. Absolument. Quand on entre les différentes données qu'on peut vouloir entrer dans tout ça, tout est extrêmement visuel et graphique. Fait qu'il n'y a pas vraiment de moyen de se tromper, surtout quand on connaît vraiment notre projet qu'on a en tête. On ne fait que suivre un ordre, tout se rentre au fur et à mesure. Et puis, c'est là, dans le fond, qu'à la fin, il y a un rapport qui est généré. Là. Fait que c'est vraiment pensé pour tout. Là. Intéressant. Bien, écoutez, je pense que cela va conclure notre rencontre d'aujourd'hui. J'espère que nos téléspectatrices et téléspectateurs ont apprécié, puisque l'idée aujourd'hui était de vous faire entendre une entrepreneure qui, pour elle-même, était bloquée, on va le dire comme ça, d'avancer, de voir plus clair parce que sa littératie financière était aux alentours de 5. Elle a trouvé un produit, elle était accompagnée par l'École des entrepreneurs. Nous faisons aujourd'hui ce live en partenariat avec l'École des entrepreneurs, justement pour montrer à quel point il est important de se faire accompagner à des moments, peu importe le moment, dans sa vie professionnelle, même personnelle, mais puis en même temps, de savoir qu'il y a de plus en plus d'intérêt. C'est comme un 360 degrés où les organisations, des sociétés, des banquiers travaillent tous dans une seule et même direction, c'est de permettre aux entrepreneurs d'ouvrir, de croître et surtout de ne pas se sentir seuls. Ça, c'est important. Donc, merci Maxime Momini de l'École des entrepreneurs du Québec.
Merci beaucoup, Madame Kinda Grace de la Banque TD. Merci aussi à Bianca Vandermeel de la création Fancy Little Day pour cet entretien et surtout cet échange et ces partages-là aujourd'hui. On espère vous avoir inspiré et surtout, on espère que vous allez aller chercher cet outil et d'autres outils, peu importe, qui vont vous permettre de rester en affaires, de croître, de pivoter, de faire ce que vous voulez en sachant que vous êtes accompagné, que vous avez les bons outils. Consultez danielhenkel.tv si jamais vous avez besoin de revoir ceci. Consultez prévisio.ca pour aller downloader l'information. Je vous souhaite à toutes et à tous le meilleur des succès et surtout santé. N'oubliez pas, on est le média de solutions. On sera là pour vous accompagner. N'hésitez pas à partager. N'hésitez pas à vous abonner à nos infolettres et vous verrez qu'on va continuer de vous donner des solutions qui sont propres aux petites, aux moyennes et pourquoi pas aussi aux grandes entreprises. À bientôt et merci d'avoir été là.